on se tourne vers Philippe Poutou qui se retourne vers nous peut-être. Vous êtes avec nous. Oui, oui. Un président exemplaire, c'est quoi pour vous? Je vais pas répondre directement à la question parce que je pense que c'est la séquence émotion du débat. Parce que c'est vrai que non, mes questions moralité politique, en politique on est servi quand même depuis quelques temps. On connaissait des vieilles histoires depuis très longtemps, de triche, de vol, de mensonge. Là on a eu Dassault récemment qui a été condamné à de la prison. Dassault c'est quand même aussi un politique, c'est un milliardaire, patron du Figaro. Mais quelles sont vos propositions? C'est pas parce que j'ai pas de cravate qu'il faut me couper. Oh non, pas du tout. Donc la question c'est déjà de parler de ça, de la situation. Donc Dassault, je disais, donc je reprends. Hein, il fait pas de prison parce que le monsieur est un peu trop vieux. Hein, clause humanitaire, tant mieux. À côté de ça, on a Balkany, c'est tout du navre. Hein, le père, le fils, tout le monde riche, tout ça. Voilà, donc on est dans ce contexte-là. Et là, depuis janvier, alors là c'est le régal. Une campagne super. Fillon, voilà, il est en face de moi. Que des histoires. Et plus on fouille, plus on sent la corruption, plus on sent la triche. Et à côté de ça, donc, en plus, c'est des bonhommes qui nous expliquent qu'il faut la rigueur, qu'il faut l'austérité. Et eux-mêmes, ils piquent dans les caisses publiques. Donc, il y a quand même un petit peu de là. Non, non, après, vous pourrez parler. Non, monsieur Fillon, vous pourrez parler après. Comme ça. Oui, non, d'accord. Oui, voilà. Merci. Donc, pour ce que j'ai dit, je l'ai dit. Ensuite, il y a aussi Le Pen hein, à côté. Alors, elle va peut-être réagir aussi. Mais Le Pen, pareil, on pique dans les caisses publiques. Alors là, c'est pas ici, c'est l'Europe. Alors, l'Europe, pour quelqu'un qui est anti-européen, ça gêne pas de piquer de l'argent de l'Europe. Et le pire, c'est qu'en plus, le FN, qui se dit anti-système, ne s'emmerde pas du tout, se protège grâce aux lois du système, grâce à la limite des parlementaires pour éviter d'aller aux convocations policières, donc peinard. Donc voilà, tout ça, ça illustre. Ce que vous êtes pour la police, ça illustre. Ouais, quand nous on est convoqué par la police, nous vous voyez par exemple, on n'a pas d'immunité ouvrière. Désolé, on y va. Voilà, vous avez une chance. Le système vous protège, tant mieux pour vous. Pas et là au moins ça permettra de vous plaire, pas ça permettra de dire que l'antisystème, eh bien c'est de la foutaise.